Yo l'autre fois, gros bonjour bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Nous allons aller dans la commune Liancourt, puisque samedi, il y a plusieurs milliers de monde qui dépendent la rue en Liancourt pour manifester contre la présence gang yo, gang Savien yo, qui a bien pile le problème dans la localité ça. À côté, porte l'école fermée, activité business yo, tout net, pas fonctionné. C'est moun yo a abandonné Kayo, même j'en ai fait dans la zone de la Tibonite. Commissariat police Liancourt, fermé tout, même avec Verrette, moun yo, parti, yo quitté. Zone non, mais manifestation qui réunit plusieurs milliers de personnes persistait que le pape abandonné la commune Liancourt. Il a été placé barricade plusieurs côtés avec conteneur pour empêcher que gang ça vienne mettre pied, vienne faire ravitaillement dans la commune. Non. Plus d'états avec correspondant nous placé dans présent Dieu depuis la commune Liancourt. Samedi 11 février 2023, population à travers 64 localités dans la commune Liancourt organisé une marche pacifique contre insécurité, kidnapping, braquage, vol et viol sur jeune femme et timoun qui a fait sous population chaque jour bon Dieu l'été, par base grand griffe et allié par Nice. Dans l'occasion, il organise à des machines qui sont Jean-Val de Moïse, il était parlé comme ça dans micro nous. Qui c'est un participant, qui c'est situé, côté qui est base grand griffe, ça vient avec allié qui c'est dans Palmis, yo même qui côté ou compte toujours sorti pour qu'il soit capable de nous faire toutes nos mauvais actes sur la population. Nous invitons autant de Robi Grimaud qui te parle de consacré dans l'autre bord. Qui te commencé depuis la localité païenne à 10h du matin, qui te rassemblé tout secteur, tant qu'on a tissu, on était capable de marquer. Et une marche qui fait parcours, route nationale là, sorti du côté du païen pour aller jusqu'à Pont-Rouge, de sorti Pont-Rouge, et pour être capable de remonter païen pour aller jusqu'à Chandelle, des chandelles pour retourner des chandelles encore, pour passer sur route chemin de fer là, avec une ambiance là. Tout le monde avec ton tête dans la main, fait bois dans la main, il t'a dit, il n'a pas livré Liancourt by gang, il n'a pas quitté Liancourt pour gang, c'est là où vous faites, c'est là pour vous vivre, il n'y a pas de côté pour aller, c'est en pile ambiance, c'est comme ça, ça te dit, non.
Mahouf. Pendant signalé un match qui réalisé sans présence à la police, ce type païen, passé par rouge, monté, descend encore, sans aucun incident grave, pas privé ni désordre, sorti 10h le matin pour jusqu'à 4h de l'après-midi. Pour Radio Pyramide FM, président Dieu de Saint Placide, et puis Balatibonite, commune. Merci en pile, présent Dieu n'a toujours été dans Balatibonite là, nous allons dans ville Saint-Marc vendredi qui était passé hein, gagné un nouveau directeur PNH là qui était fait un coup de pied dans sous-commissariat dans commissariat police qui gagné dans juridiction Saint-Marc là, il était à parler avec policier yo qui était campé activité travail yo et qui était même fermé commissariat après rencontre nouveau directeur commissaire divisionnaire Goodson jeune de gagné avec policier yo porte commissariat après l'ouvrir et au promet pour te reprendre activité matin. Nous gars sur place ensemble avec nous collaborateur nous 1100 Madeus qui parle dit nous comment venir est-ce que Jean que policier était pour maintenant activité reprendre matin dans commissariat et est-ce que tu as une présence policier qui a fait trafic matin. 1100 bonjour comment y est comment venir Saint-Marc lever matin. Bonjour 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 pour nous. Parce que là et là. Nous avons matin, nous faisons une deuxième intervention pour parler de comment la situation est. Nous avons parlé avec toi là, nous avons tourné de l'autre côté, nous avons fonctionné. Par exemple, nous passons sous la Syrie là, nous faisons la Syrie, nous faisons la Syrie pour nous et nous avons de l'arrière. Eh bien, Jean et inspecteur Tony Valéry, qui fait responsable de la situation, que nous avons marqué après visite et directeur de la frontal pour lui sur la Syrie. Pour te remobiliser, pour les ou bien sensibiliser pour le travail. Et bien, je vous mettre le à la pour la rue, la question de l'école, la circulation et assurer tout le monde, il y a une sécurité de l'arrière. Et bien, je vais vous dire, pas même que nous machine des policiers, des machines à police, nous avons des grands policiers qui ont une uniforme et qui vont à l'arrière. Juste ça, nous avons parlé avec toi là. Et même si c'est 10 dans l'arrière, juste à un moment, on a parlé là, je ne vais pas tomber pour aucun policier dans l'arrière. Donc, Jean, nous devons la population ça, nous avons un mouvement. Mais nous, on a parlé avec nous, c'est pour nous, c'est un peu de final là. Et on est déjà pour les policiers de Jumé, nous allons passer sur Baïbon. Les carnavals et sécurité, eh bien, malgré sans présence de la police, il y a plusieurs bonnes qui vont la rue. Et les gens qui avec le matin, qui même connaissent, ils ne vont pas dans le carnaval, ils ne vont pas dans parce que ils connaissent la police pour la présence avec les gens. Mais il y a plus de monde sans présence de la police qui prend la rue. Et ils viennent de croiser avec des bonnes. Et pour les bonnes qui ont croisé, c'est DJ Gabois, qui a descendu sur son bal du tout. Et pour ça, vous, ils descendent l'aller dans sa ville. Je vais te croiser avec lui. Le bloc est sur moi, il est tout près. Et si son colosso, je vais te descendre, il est capable. Et on nous a fait 25 euros hier soir. Donc, bon, nous-mêmes, nous voilà arrivés. Mais je vais pas gagner un peu de monde. Je vais gagner un peu de monde. Parce que des monde qui fait, nous voilà arrivés. Quand même, nous gagnons un monde qui a pris l'animation au niveau des sécurités. Donc, c'est un contrat à ça, un barouet, un grain policier. Dans l'arrière, au moment où nous-mêmes nous parlons là. 1100 et commissariat, est-ce que porte les l'ouvrir qu'on y a? Oui, mais au commissariat qui mort, au commissariat qui mort, et mort, et c'est vrai, les côtés nous vous portons, et là, regardez le commissariat, ouais, pas vraiment une activité, c'est des machines qui toujours étaient, et j'étais fait barricade, et le commissariat, il est là, toujours là, toujours. Donc, c'est au commissariat qui l'ouvre, c'est qui est. Il a dit mort, il est totalement mort. Et dans la circulation, il va recevoir plainte, il va recevoir rien. Et dans ce qui est en sécurité, la population là. D'accord. Merci en pile, 1100. Voilà, nous avons parlé avec collaborateur nous, 1100 Madeus, qui t'a informé nous comment la situation est dans la zone Saint-Marc. Fondi, c'est pas seulement ville Saint-Marc, dans Balatibonite là, qui a problème. Non, les gens qui vivent dans la zone Dédine tout plein, comme sous-commissariat à la commune Dédine, dans fermé porte li, pas un policier même qui n'est pas être prêt de tête chaud dans sous-commissariat ça. On a pas appris qu'il y a un changement dans sous-commissariat ça. Et le mois de décembre, quand il y a été installé une lot inspecteur
qui était sorti dans sous-commissariat Lester qui était dans des dunes, et bien pour nous on a parlé là sous-commissariat ça pas gain policier la donne dans ville Gonaïve situation comment lié timidement est-ce que policier reprend service nous cap dit que matin personne ne pas constater auto cap fait circulation plusieurs côtés dans ville Gonaïve et pendant tout week-end là malgré que sous-commissariat ville Gonaïve là te recevoir un lot boîte qui était sorti Port-au-Prince qui était venu nous boîte matériel ça c'est un matériel que qui boîte ça qui t'a un matériel que nous pas consacré mais parler de cartouche avec l'autre bagaille c'est un matériel que ancien directeur Bruce Mirtil a fait demande lui qui envoyé bail en policier dans commissariat Gonaïve là mais pas gagné rien de neuf qui venir revendication yo jusqu'à présent était même genre n'a bien pour nous tourner sur l'autre information dans ça pour avec yon opération la police hier soir emmené dans zone bois marchand côté yo kambe yon camion bascule yo t'a mené plusieurs armes de poing dans camion avec côté camion terrien yo t'a joint une substance qui t'assemble avec cocaïne mais jusqu'à présent pour gain détail sur li pas gain arrestation qui rive fait ça passé hier soir dans zone 10h en présence commissaire gouvernement ville Gonaïve là maître Serra Gazis n'a toujours été dans Balatibonite là nous pour aller dans l'autre point dominé actualité mais fois ça n'a quitté sécurité à un petit temps puisque nous tournons Balatibonite là nous pour parler de ça qui pourrait avec dossier agriculture dans dernier jour ça yo phénomène agriculture là dans Balatibonite là presque une activité qui presque pas existé dans zone Fenapa gain président fédération nationale des paysans producteurs agricoles qui gain en tête li monsieur alors qui vice-président monsieur Louis Saint-Serge qui te rend nous coup pied dans festival fédération association des irrigants de la vallée de la Tibonite mandé à l'état yo besoin de l'eau dans terre pour travail dans vallée parce que sans de l'eau yo pas capable vous été yo besoin engrais tout et puis engrais à monter tête nègre en dans des déclarations vice-président festival là qui dans micro collaborateur nous Ito Altidor Louis Saint-Serge au niveau nous même de la vallée de la Tibonite. Nous connaissons Valéa, l'Igène Odevea, l'Igène Facival. Nous-mêmes, au niveau Valéa, nous sommes victimes de responsabilité. Responsabilité, nous, c'est que c'est bail paysan de l'eau pour paysan qui sont capables de produire. Dans Valéa, nous avons des équilibres, nous-mêmes, nous faisons curage. Curage manuel au niveau canal secondaire et tertiaire. Au niveau drain secondaire et drain tertiaire. Nous demandons au gouvernement, dans l'apaisement social qui prévoit pour la population haïtienne. N'a pas tourné tout à l'heure avec déclaration c'est Jean-Louis Saint nous pour joindre Kouniela commissaire gouvernement ville juridiction Gonaïve là maître Gazis qui parle parler nous de mouvement opération la police ensemble avec la justice menée hier dans zone 10 dans zone bois marchand dans entrée nord ville Gonaïve commissaire bonjour et information qui s'allie exactement sur opération menée de nos opérations matin. Hier soir, effectivement, nous avons une opération nous menons de concert avec la police dans Bois Marchand. Côté nous avons une bascule, nous avons une alerte sur lui. Et heureusement, nous avons une bascule là dans la cour. Et lorsque nous sommes entrés dans la cour, les bandits ont été échappés. Nous n'avons pas une personne dans la cour, ils ont été couru. Mais nous te jouons notre bébé, nous te couilles qui te cap dormi là-dedans. Bon, nous te prenons bascule là, les nous fouillons dedans, nous jouons des pistolets, et puis nous jouons des substances douteuses en dedans bascule là. Nous te arrivés avec eux, j'ai eu des pères à constater eux. Mais en attendant, nous pouvons pas dire exactement qui substance eux est. Nous pensons parler avec DDA pour nous voir comment te commande des BLTS unis. Pour venir vérifier pour dire nous de qui substance exactement. Nous saisons machine, les gains plaques matriculation, nous pouvons identifier pour qui est-ce machine ça est toujours. Bon, normalement, on a besoin de mettre les quand même. Parce que normalement, en dedans, le bon team, on a découvert qui était en dedans, sur tout abdomen, sur le cabane, nous pouvons être mon nom, il y a un commissariat, pour venir mettre les mon nom. Et si on ne pas venir mettre les, on peut mettre bien-être social. Li. À l'aide de machines, de papiers nouvelles, nous voyons comment nous sommes capables de remonter avec machines pour nous connaître ce qui est passé.
Commissaire, nous connaissons depuis jeudi, il y a un nouveau directeur qui est installé, mais est-ce que l'activité est timidement à reprendre dans la ville de Gonaïve ou des policiers? Oui, bon, je pense que c'est timidement l'activité à reprendre, parce qu'il n'y a pas qu'à durer encore, la population n'a pas qu'à attendre. Et nous connaissons les revendications policières, mais juste parce que ça a demandé à c'est pour être capable de faire plus de service à la population, parce qu'il a demandé matériel. Et là, il y a plus de matériel, il y a plus efficace. Et il y a une population plus service parce que demande au juste. Mais cependant, en attendant tout arriver, timidement, l'activité a commencé à reprendre. Et pour permettre la population à un service comme ça doit. Mais dans sa vie plus fort, écoutez la commissaire sur la croix Péris, côté la journée qu'on a nuit, monsieur Apran Sonemoun, et il a même annoncé que dans toute zone tout ça, qui diligence que nous allons faire pour nous là, bon, puisque la situation sa vie est tolérable. On fait normal pour nous d'abri ça n'a vivre là. Mais la police pense que 3 semaines yo en grève, yo pas travail. Finalement la rue a contrôlé par bandit. Et même bandit tout connaît police en grève, yo pas pour la rue. Ça dépend maintenant yo à l'aise. Seulement si nous augmenter problème nous par rapport à ça qui est en là. Nous pas demander pour nous déployer plus effort pour nous mettre les gars en rôle. Mais nous ba nous garantie situation pas carré comme ça. Je ne fais tout ça dépend de nous et pour nous permettre une situation de normale. Parce que les anormales, là, l'extrait pour nous n'avons pas qu'à aller. On va prendre, mais nous allons travailler sur les mouvements des populations, continuer bonnes informations, continuer à collaborer avec nous. Et bien, je vais venir là pour que nous là, mais nous devons garder auparavant. Activité qui était passée hein, depuis c'est la mort policier li en courant te gen gros effet sur appareil justice ça est-ce que semaine ça activité au niveau parquet a dans palais de justice après bon au niveau parquet nous te gen ta reprend travail semaine ça fait nous sous deux semaines nous passer au niveau tribunal là semaine ça doit après le travail tout. Bon, depuis la police en grève son fait normal parce que pas plus la police moi là c'est nous nous gagnons comme bois armé. Mais maintenant, l'on n'a pas de bois armé, il n'y a pas de bois armé. Même pas si avec le crise de la boue, ça permet l'activité de le bois pour côté. Non seulement au niveau du parquet en bonne et due forme, mais au niveau du tribunal, là, toute l'activité va reprendre. Pendant cette activité va reprendre, on a continué à faire pression pour que le matériel vienne jouer un policier pour que le câble soit efficace. D'accord. Commissaire, merci en pile. Bon, c'est moi qui vous remercie. Nous souhaitons nous passer une excellente journée. D'accord, au même tout. Voilà, nous avons parlé avec le commissaire juridiction Vincent Maclan, M. Tassira Gazius, qui a donné nos détails sur ça qui est pour avec une machine que la police a saisi et ça passait hier soir dans une bois marchand côté machine ça a gagné un produit la donne qui t'assemble avec drogue justement on a parlé là il a beaucoup arrêté personne dans la machine ça mais l'essentiel c'est que la police a gagné machine en bas mille a gagné un petit monde que la police dans moment on a parlé là Kimbe en attendant que parents là lui-même viennent chercher lui. Et pour suite légal yo dans ça gain pour avec police commissaire gouvernement assurer nous que activité yo pratiquement et timidement commence à reprendre dans ville Gonaïve dans mitan police espérons que service en circulation ca arriver fonctionner normalement n'a pas aller dans l'autre point de l'actualité avant de tourner n'a quitté ville Gonaïve de département Latibonite là nous parler dans département sud-est pays hier dimanche c'était carnaval national dans ville Jacques Mel. Nous gars ensemble avec nous et correspondant nous Christophe Noël qui parle ba nous bilan provisoire comment ça t'est hier. Christophe bonjour. Hier c'était carnaval national dans ville Jacques Mel. Qui bilan provisoire que nous déjà dressé de carnaval ça. Bonjour à la lecteur, bonjour à la lecteur, bonjour tout auditeur de Radio Pyramide Radio. Juste avant de mettre un bilan, il faut que nous vous déjà à la lecteur, nous prenons la 31e édition Carnaval Jacmel, ça a été organisé dans un contexte extrêmement inapproprié d'ailleurs, qui en plus va s'appliquer dans le bilan pour demander annuler le carnaval là pour aller ça, puisque le contexte n'est pas propice à l'organisation carnaval. Tenant compte des crises multidimensionnelles que le pays a tourné d'ailleurs, qui en plus pour une sorte traditionnelle qui est déclinée et participation, un signe de solidarité avec les gens qui n'ont pas à manger, puisque nous connaissons
dans un des rapports qui sont sortis, qui ont moins de population qui n'a insécurité alimentaire là. Donc, le débat dans le sud-est n'est pas épargné des quantités de monde, puisque nous connaissons des sections en dans des bâtiments, des sections qui sont extrêmement vulnérables. Nous prenons les cas de les premières sections communales qui sont sous-bêtes. Deuxième section est la Brière, donc si nous prenons encore une fois Pichon, donc c'est quand même le nom de point du Broche, tellement que pour l'être là, ça a été suscité des gens qui comptent sur le carnaval, qui nous prennent la dernière année là, donc on a parlé de solidarité à mon corps qui n'a qu'à manger. Faut vous que Jean-Alain, hier dimanche, vers 10h, dans le caillou, et nous te servir, on a dit même pas que c'est une ville d'Apada à Saint-Mézou qui travaille bien en festivité des six grands vaincus. D'ailleurs, dans un pile endroit où on passe ce groupe, il passera, la ville là, tout le monde se trouve dans route, donc chauffeur moto, chauffeur machine, donc c'est exactement pour pas prendre le monde sur son trottoir, puisque c'est vraiment difficile avec tout qui est dans route, donc c'est un qui est compliqué, la ville d'Apada à non, oui, qui d'avoir les accueillis aussi craint des utilités comme ça. Je pense que les gens et les peuples d'appel là, ils ont presque deux mois d'écouter le courant, donc c'est depuis le 18 décembre, l'occasion finale d'écouter le monde là, courant. Donc pendant toutes les dimanches, pour défiler dans la radio, on va jamais le courant. D'ailleurs, il y a une information particulière qui fait quoi que les jeunes filles qui ont violé dans les soirs, puisqu'ils connaissent son véhicule dans le noir. Donc on va jamais le courant. Donc c'est hier soir qui fait plan ouais. C'est pas pour les acheteurs, c'est pour avoir la base jusqu'à hier soir, depuis 8h jusqu'à 2h du matin, en passant pour être capable de mettre et carnaval là, c'est peut-être un carnaval national d'action. Et il faut prendre que, bon, passer des premières villes électrifiées de la Caraïbe avec une ville qui gagne courant à chaque tabou gros épique. Donc, c'est ça, Jacques Mel, une tournée, et bien, on va parler avec vous là, en l'an et demi. Pour ça, bien, pour avec financement, vous voyez que la pyramide d'information, ça, mais il y a des soins de budget qui est évalué à 200 millions de gouttes avec l'État central pour financer le carnaval là. Eh bien, c'est l'État central, lui, il faut mettre la taille 20 millions, donc ça qui est 10% dans le budget qui est soumettre là. Donc, il y a un commentaire qui a fait pour 6 minutes de culture et communication à l'époque. Jadel Henrique s'est déclaré carnaval d'accès comme un patrimoine immatériel, donc il y a un patrimoine immatériel, donc il a dû être capable de mettre tête qui fonctionne. Il y a un peu de monde qui dit que c'est carnaval d'accès qui a dû voler la sénatrice publique, donc c'est pas l'État central qui a dû travailler l'argent pour organiser le carnaval. Donc ce sont des débats qui sont développés dans la société jacobienne. Vous savez pour avec bilan et tellement pour que gain très bon qui blessé et cartouchant, c'est des gens qui blessé avec couteau, couteau roche, coup de bouteille et coup de marteau tout, puisque hier soir, la carnaval a été bloqué, écrasé comme dit ça. Mais on voit bien après ça passé, donc on est bien après tout le monde, rivalité entre eux. Mais non, il y a deux bandes après qui déclenchent en bataille sur pas pour donc ça, c'était bloqué, écrasé carnaval là. On pile cartouche là pour nous tirer, on pile gaz lacrymogène, on pile mon bras pour roche, on pile mon blessé dans le courant. Donc ça a créé beaucoup de panique sur ta croix. Et voilà tout ta croix, tout ça, pile cartouche qui t'a chanté, comme avant, est-ce que c'est la voie, est-ce que c'est vous, les civils, avec ta tirée et tout. C'était vraiment difficile, donc ça, on a diminué sur ta croix. Donc tout le monde qui était là, on va à l'arrière, on est obligé de courir la carte, on qui ça t'a passé dans la rue. En termes de sécurité, comme vous dites, et policiers, ils vont d'après lui, ils ont même été déjà annoncés qu'ils n'ont pas question de carnaval là du tout. D'ailleurs, dimanche dernier, ils ont fait marche pacifique dans le mouvement de sécurité du carnaval. Mais c'est pas pour quoi est-ce qu'il y a des policiers qui sont sortis pour devenir une sécurité carnaval. Eh bien, pour que les états sortis en général à l'élection, ils ont été obligés de passer Matissan sous bus, en civil, et puis ils avaient été passés sous la mer à l'Alzheimer, quand faux. Donc, c'est un bandit qui a péri cette nuit, on ne peut pas être policier qui est.
En tout cas, c'est constaté. Donc, bilan provisoire jusqu'à présent, c'est 13 personnes qui blessés parmi eux qui est ici. Et c'est ça que l'hôpital Saint-Michel a fait l'économie comme bilan et provisoire. Donc, si il y a une évolution pendant le journée 1, plus tard, dans le journal précédent, nous sommes capables de donner leurs informations et j'allais les dire. Merci en pile Christophe Noël. Christophe Noël, c'est correspondant à nous depuis département sud-est pays qui tape nos derniers détails ou bien bilan sur carnaval qui était fait hier dans département sud-est pays. Il y a un carnaval qui était un gros problème d'après Jean et correspondant Christophe Noël, autre femme connaît, t'es un gourmet qui éclaté dans mitan carnaval là en pile coup trop champ voyé à droite à gauche et sécurité hein, c'est Port-au-Prince qu'elle sorti. Avant d'aller nous parler dans le département de nos pays, en population, en commune, Renkita a fait face à problème infrastructure de base, insécurité, absence médecine à l'hôpital là, la vie chère, chômage, à mauvais état, route vicinale là, c'est quelques parmi différents problèmes, mouni à confronter chaque jour. Plus d'état correspondant à nous, Jean-Claude Noël, Jean-Claude Dangefra, depuis le département de nos pays. Commune Renkita a fait face à divers problèmes infrastructure de base, insécurité, absence médecine, dans l'hôpital là, la vie chère, chômage, viol à mauvais état route, vestinalio, c'est de panier, différents difficultés, population à confronter. Le bord, mettant Jocelyn Jean, juge de paix, tribunal communal, estimé, effectif policier à passer dans le commissariat. En plus, il y a du matériel de travail qui est dans difficulté pour garantir sécurité paysan. Coute explication, juge Jocelyn Jean. Question de violence, c'est une maladie aujourd'hui. Nous avons communiqué par nous à l'équipe. Nous connaissons une individualité, parfois nous sommes sans formation et nous avons déjà oublié. Et nous pouvons aller au zéro pour la faire violence. Non seulement violence sexuelle, mais violence corporelle tout. Et c'est vrai que le financement est généralisé, mais le tableau nous subit plus parce que l'autre de nous. Et parfois, l'un des côtés, en tant que juge, nous parlons de nous parfois pour nous consulter un médecin, pour nous faire suivre les médicaments. Et nous ne pouvons pas accepter que les services soient si besoin. Et parfois, pour absence de médecin, la communauté a permis que la population a souffert et de partager un service dans le délai qui va rejoindre la police. C'est un service qui n'est pas même bien à moitié malgré les commissariats de présence policière. Et plusieurs raisons expliquent ça. Une raison, c'est le manque de moyens. La police sur des prix, si on trouve des prix, il n'y a pas qu'arriver satisfaire même qui n'a besoin. Juge, tribunal de paix, là, qui clair, Jocelyn Jean, lancé un cri d'alarme dans les oreilles, DDN, PNH Noa, avec directeur MSPB Noa, pour augmenter l'effectif à policier dans le commissariat, et pour mettre médecins disponibles dans l'hôpital là, pour permettre toute population, jeune service nécessaire. Depuis, commune Renkita, département Nord, Jean-Claude Geoffroy, Pyramide FM. Merci en pile, Jacques Geoffroy. On a parlé dans Port-au-Prince, dossier insécurité, en trois fidèles, dans la première église baptiste, en Port-au-Prince, victime, Zaka kidnapping, après culte, bandit, on l'autre fois encore frappé dans l'église, qui était connu un drame, pareil, ça gagne un an de cela, alors que fidèle Lyot a paré pour entrer la caillou, après, t'es fini participer, dans culte, en 6h30, là, trois fidèles, victimes, bandit, examen, kidnappé, yo, devant local, première église baptiste, qui dans la réunion et pas trop loin palais national aux environs de 9h le matin à dimanche temps bandio qui était un gros amna meyo té paraît et puis il était passé l'ordre avec Fidelio pour monter dans machine et puis il est parti avec eux dans destination que personne ne pas connaît situation ça t'a pral provoquer une panique généralisée l'autre fidèle qui était là qui était impuissant et qui paisible qui t'a assisté avec Aklan courir entrer dans l'église et qualifié donc ak horrible d'après ça au sortir là il a demandé bon Dieu pitié ravisseur yo et a exigé grosse somme d'argent en échange de libération yo n'a noté que première église baptiste Port-au-Prince santé vivons drame pareil dans mois septembre 2021 côté Jack
congrégation centrale là, s'il né à la faille, un monde qui a 70 ans ou comme ça, t'es mouru devant porte dans l'église pendant que t'as tenté résister à un enlèvement. Madame Ni, Marie-Matlan Laurent, la faille, été à la veille après t'as pas libéré là, et quelques jours après, là où t'es fin bas, quand c'était cob, dans le dernier temps, ça y est, plusieurs cas insécurité enregistrés dans plusieurs endroits dans le pays. Opération tournade numéro 1 que force l'audio annoncé pour qu'on ait un gros résultat dans la centre-ville. La bandit continue à opérer sac à casser. L'autre point toujours qui vient pour avec un dossier insécurité, hein, c'est pas seulement dans l'église baptiste et hier à Port-au-Prince, mais samedi tout est gagné. Il y a une grosse action qui passait dans la zone Carade, dans la capitale là toujours. C'est un n'a pas mieux. Yon chauffeur taxi moto mouri samedi après-midi dans Carade, son local qui trouvait en localité dans commune Tabar. Selon témoin qui était sur place, Axa, c'est un Zak individu qui a gros âme dans qui t'a couru sur motocyclette et était sur machine tout, il était tenté et qui était vite tenté, yo ralé zame yo, yo tué et tiré son paquet moun et parmi eux t'ai 5 jeunes qui étaient trouvés dans station taxi moto tout près l'église et pas justement quoi diriger à que tout le monde connaît Port-au-Prince. Eh bien scène criminelle et rapidement la patrouille la police était en train de débarquer fermeni malgré des marches qui ont été prises pour verbaliser cadavre et ils joignent 5 monde ben la vie parmi un chauffeur taxi moto la police avec juge de paix et by l'ordre pour lever cadavre. On a noté que fusillade ça vient connait là a fait fusillade là c'est monnaie courant lié dans Port-au-Prince puisque semaine ça une jeune fille tout est mort dans Pétionville c'est bandit qui t'a couru sur moto qui était fait Zax, un peu le monde vient considérer Port-au-Prince qu'on y a comme une ville fantôme. Pas grand jour passé pour pas gagner plusieurs monde qui perdit la vie.